Salut tout le monde, mon nom est Dresden, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo découverte, Sheltered, un nouveau jeu qui vient d'être disponible aujourd'hui en Early Access, donc toujours en développement. Sheltered, c'est quoi? Ça a l'air d'être... Bah, déjà, c'est un jeu en pixel art, donc avec plein de petits pixels comme on connaît déjà certains jeux assez populaires. Et c'est un jeu post-apocalyptique. Oui, il va falloir. En fait, ça se passe dans un monde post-apocalyptique, pardon, et on va devoir gérer la survie de notre famille. Donc, c'est un jeu de survival. On peut le catégoriser dans ce qui est de survival. Et en fait, ce que ça va nous donner, c'est qu'on a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut déjà s'occuper de notre famille, comme je disais, pour essayer de les protéger et les faire survivre le plus longtemps possible. S'assurer que notre maison se développe. En fait, c'est une sorte de banque, je pense. Ensuite, on va pouvoir donner des noms et personnaliser nos membres de notre famille en donnant des noms. On va pouvoir aussi s'occuper, donc être sûr que la santé va bien et tout ça. Ensuite, on va pouvoir les rendre plus forts aussi. On va les éduquer pour pouvoir les rendre plus forts à survivre à cet environnement hostile. On va pouvoir aussi essayer de se reproduire parce qu'il faut... la possibilité de se reproduire parce qu'il faut pouvoir être nombreux en fait pour pas que ta famille soit les derniers et qu'il n'y en ait plus. Et il y a la possibilité de faire du crafting aussi pour pouvoir faire évoluer sa maison en craftant des choses comme récupérer de l'eau puis de l'air puis tout ça. Un système d'exploration aussi pour aller chercher des ressources pour vivre au jour le jour. Il y aura un système de véhicules aussi, je pense, pour pouvoir se déplacer plus vite. Il y a aussi un système dynamique de... comment ça s'appelle? Des choses qui peuvent se dérouler dynamiquement, donc c'est complètement aléatoire. Il y a aussi du combat, donc si malheureusement il faut qu'on se défende contre toute chose hostile qui viendrait essayer de détruire notre famille ou nous voler. On peut aussi recruter des étrangers, mais est-ce qu'on va leur faire confiance? Donc c'est un petit peu comme The War is Mine, The War of... Non, Your War is your mine, Your War, Your... This War of Mine? This War of Mine, je pense que c'est ça le jeu. Et donc on y va direct, hein. On va arrêter de discuter. Le jeu est disponible avec les textes en français, en placement vide. Il est disponible, les sauvegardes sont dans le cloud. Donc vous pouvez l'emmener où vous voulez. Donc là on va commencer par donner un nom. Et non, je n'ai pas le nom du père. Je vais l'appeler Papa, pour faire très original. Genre. Non, ça c'est proactif. Genre. Ah, ça change à chaque fois. Donc là, c'est papa. Je peux l'avoir habillé. On va y aller comme ça. Couleur supérieure. On va le mettre blanc. On va voir si ça va se délaver avec le temps. On va mettre bleu. Couleur de la peau. Comme ça. Couleur des cheveux. On va mettre comme moi, finalement. Type de tête. C'est vraiment extraordinaire au niveau de... du graphisme, on peut exactement distinguer. Oh, j'aime bien celui-là, un peu touffu. Type de corps. Ouais. Oh non, on va pas mettre tout nu. On va mettre habillé, on verra bien combien de temps ça va survivre. Jambes. On va mettre plutôt classique, normal. Comme ça. Et les traits. Habile, optimiste, plein de ressources, sens de l'hygiène, petit mangeur, courageux, gros dormeur, proactif. On va le mettre proactif. Statistique prédéfinie. Alors je pouvais aussi faire de l'aléatoire. Violent. Ok. Bien éduqué. Athlétique. Trouble. Ok. Logique. Un peu de tout. On va faire un peu de tout. Suivant. On peut lui donner un nom? On peut pas lui donner de nom. C'est dommage. On va le laisser de même, on va la mettre habile, on va la mettre intelligente, on va toutes laisser de même. Les enfants, optimistes, et celui-là, petit mangeur, et pas très intelligent. Parfait. Oh, nom de la famille. Famille, on est dans... Oh, 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 oh. Ah, ok. Ok. On... né dans la
Merde, c'est trop long. On est trop long. On est trop long. Family, donc le a perdu. Perdu. On va mourir. Non, on va mourir. On va mourir. On va mourir, family. Très bien. Le nom du chien s'appelle Prout. Prout. Et un animal de compagnie. Alors, on va prendre un chien parce que le chat c'est un peu niaiseux. Suivant. Est-ce qu'on veut jouer le tutoriel? Bien sûr, parce qu'on connaît pas le jeu, donc autant en profiter. Chargement. Frappez avec un tuyau pour éliminer vos ennemis au combat. Et nous voilà dans un shelter. Tout le monde rentre à la maison. Le soleil se lève. Donc je suppose que. Oh, votre famille a trouvé un refuge, mais elle n'est pas encore hors de danger. Ils ne seront protégés des radiations qu'une fois à l'intérieur d'un abri. Parfait. Jour numéro 1, on peut même accélérer. On peut regarder de loin à quoi ressemble. Donc on aura un autre. Un zoom out. Wow. Parfait. Il se sent bien. Comment on fait? Ah, faut les sélectionner comme ça. Parfait. Trouver un moyen d'entrer dans l'abri. Vieux. Ouvrir. Déplace-toi. Tu peux-tu te déplacer? Déplacer. Déplacer. Oh, ok. Empêcher les réactions. Ah, j'ai un petit peu ouvert. Oh. Et voilà. Mes deux portes. Bien joué, l'abri est alimenté par un générateur à essence, mais rien ne semble branché pour l'instant. Trouver un moyen d'activer l'électricité dans l'abri. Parfait. Papa. Donc, c'est. Papa. Continue d'avoir. Oh, génératrice. Acheter du carburant. Améliorer. Je peux-tu juste la démarrer? Acheter du carburant. Parce que. Poum! C'est ça. Donc j'ai mis du carburant. Oh, il y a même combien d'intégrité. Oh, wow, on se calme, on se calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet endroit est délabré, mais tout ira bien tant qu'on réparera et qu'on améliorera les objets et les systèmes. Kathleen! On pourrait sortir, explorer pour regarder, trouver de quoi fabriquer les objets. Il y a une carte au mur à côté de la porte. Bien vu, on pourrait rester ici un bon moment en subvenant nos besoins. Quelqu'un a faim ou soif? Clique. Parfait. Armoire, pharmacie, il y a juste des anti-radiations, il n'y a rien d'autre. L'eau est à moitié vide. Lui, il commence à s'abîmer. Il est à moitié vide aussi. Ah, stop, stop, stop. Ah, c'est au complet, parfait. Une boîte avec une petite caisse. Des minuscules garde-manger. Ok, parfait. Une lumière, je peux la désactiver. Ah. Allons voir là. Non, je vais pas aller voir ça. Un compteur Gégère. Un bol de nourriture pour le chien. Prout-prout, qui a 50 pour 50 points de vie. Une combinaison de protection. Un interphone, c'est pour pouvoir parler aux gens, je suppose. Un fixe à oxygène. Ouf. Est-ce qu'il diminue? Il diminue. Intégrité 87. Ça se dégrade. Oh, le temps passe vite. Ça, c'est pour sortir. Et là, on a le journal. Voir. Nous sommes seuls, il ne reste plus que nous maintenant. Ensemble, nous, notre famille se compose de papa, Diane, Kathleen, Amanda et notre animal de compagnie. Donc j'ai deux filles. Amanda et Diane et Kathleen. J'ai l'impression que j'avais un gars. Prout-prout. Ce bunker délabré devrait nous aider à nous remettre sur pied. On dirait qu'une bombe a éclaté ici, mais nous devrions pouvoir remettre un peu d'ordre. Juste un endroit chaud et sûr suffit pour l'instant. Parfait, 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 parfait. Ah, c'est. Quitte. Ok, le X ne fonctionnait pas. Ah, le chien est. Le chien s'est barré. Ok, le chien est allé là. Un atelier. Parfait. Et le chien est allé là. C'est extraordinaire. Bon. Allons regarder un petit peu la radio. Préparer l'expédition. Alors, qui c'est qu'on envoie? Les membres du groupe d'expédition. Lui, correct. Amanda. Et Kathleen. Et Diane. Ah, t'es Kathleen, sa petite fille, Diane, c'est la maman, se sent bien. Proactif, pessimiste, optimiste. Ok.
Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Ok. Choisissez les membres. Je peux-tu gérer y aller toilette tout seul? Placer des étapes pour tracer votre. Ok. Wow. Ok. Oh, wow. Oh, nécessaire. Tabarnouche. Enlève-moi ça. Ok, c'est. Je peux pas aller trop loin. Je vais aller au maximum de l'eau juste pour voir ce que ça donne. Ok. Confirmé. Oh, il y a l'équipement. Du bois, du ruban adhésif. Un clou légèrement rouillé utilisé pour les améliorations du système. J'ai autre chose? Non, de Zeus. Protéger son porteur de radiation quand il est sur les terres dévastées. Je vais en prendre 3. En fait, j'aurais pas besoin d'en prendre 3. Groupe. Ah, groupe, c'est 1. Je suis tout seul à y aller. Juste papa qui s'en vient. Hop. Non, on recommence. On recommence. Voilà. Du caoutchouc. Du moteur, un seau. Fabrication, tout ça c'est de la fabrication. Ah, peut-être je peux prendre ça au cas où ça fasse mal. Un tuyau. Ah, peut servir d'arme. Je vais en prendre juste un au cas où. Et ça. Ok, on va y aller comme ça, on verra bien, hein. Tu. Ok, confirmé. Et Diane, ben. Oh, ok. Fucking hell, man. Tiens, tu vas prendre aussi un bâton au cas où. Ok, et toi, tu vas prendre un médicament au cas où. Envoyer le groupe. Ouais. Donc, les enfants restent tout seuls. Qu'est-ce que c'est ça? Elle, petit. Fuck. Dégage. Parfait. Alors là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les enfants en attendant? On peut peut-être leur apprendre quelque chose. Ouvrez le générateur, filtre, nanana. Radio, voir la carte. You can track your exploration party and recall them back to the shelter. Parfait. Ils sont où? Ils sont là. Ils avancent. Parfait. Je pense pas qu'on va se faire embêter le premier jour. Ça, comment ça va? Ça, on s'en fout. Ça, l'intégrité est bonne. On a une antenne. Nos réserves d'eau sont presque vides. Oh, on a quand même un camping-car. Camping-car, vérifier le véhicule. Oh, je peux le réparer pour pouvoir aller plus loin. Excellent. Donc, j'ai rien de tout ça. Et là, un filtre transmission radio en 30A. Go. Accepté. Bonjour Kathleen, ici Diane. Au loin, nous voyons quelque chose qui ressemble à une petite maison. Devons-nous aller vérifier ou tenir le cap? Examiner de plus près. Good. Ils sont partis. Allez, viens, allez voir. Tiens, le chien. Prout, prout. Donc, on peut déplacer les gens quand même. Je peux-tu les faire travailler quelque chose? Toi, t'as du soif? Ah, une autre transmission radio, parfait. Accepté. Il semble que cette petite maison a quelque chose qui pourrait être utile. Qu'en pensez-vous? Examinez les éléments. Vous pouvez transférer les objets que vous trouvez à l'intérieur à droite vers ceux qui vous transportez à gauche. Vous pouvez aussi débarrasser d'objets de votre inventaire en les échangeant. Parfait. Donc, il y a tout ça. Ben, moi, je prends tout, là. J'ai de la place. Confirmé. Ouais. Boum. Bon, c'est déjà une bonne chose. Là, il y a une combinaison. Là, il y a un interphone. Il n'y a pas d'expédition. Je peux pas envoyer les enfants en expédition. Peux-tu faire ça, man? Ça serait malade. Ok. Porte-bloc, transmission.
Quoi ça fait là? Oh, force. Nos réserves d'eau sont presque vides. Combien il reste? Oh, il n'y a plus d'eau. Oh, il n'y a plus d'eau. Comment on fait? Je peux... Hein? Je peux-tu ouvrir un inventaire, quelque chose? Je vais même pas regarder si je pouvais ouvrir un inventaire. Je pourrais carrément accélérer, hein. Prout-prout, il va bien, mais je n'ai plus d'eau. Je peux le démonter, mais je peux pas boire de l'eau. Il va me dire, j'en ai pas. Ça, il n'y a pas d'eau, man. Nos réserves d'eau sont presque vides, je sais. Papa a subi un empoisonnement par rayonnement. Ah, c'est pas cool ça. Oh. Ah ouais, petit, là, où est-ce que tu vas, toi? Aïe, dégage. L'eau explorée 1, perception 4, perception 9. Super. Je peux pas cliquer. Ah, je peux pas cliquer. Vous pouvez transférer les objets dont vous transférez à votre abri et les objets que vous transférez ne seront pas jetés. Parfait. Abri. Alors, on a ça. Là, j'ai comme récupéré. J'ai comme récupéré un journal, mais je le vois pas. Confirmé. Ouais. J'ai gagné de l'XP. Comment je peux passer de l'un à l'autre? Ok. Le problème, c'est que... Ferme ça. Ferme. C'est que papa, tu peux manger, non? Petite caisse, tiens. Manger la nourriture. Mais il faudrait construire. Je peux-tu construire quelque chose? Fabriquer un objet. Ici, vous pouvez faire des fournitures pour le shelter, can craft weapon and crap and trap. Ok, donc on peut faire des armes, des pièges et des fournitures. Je peux-tu faire de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4? Objet nécessaire, parfait. Non! Annulé! Il y a quelqu'un à la porte, c'est peut-être un marchand qui va nous... Vous pouvez donner le portier de téléphone. Oh, ok. Répondre. Je cherche à me débarrasser de quelques trucs à bon prix. Tu es intéressé? Ok. Vous pouvez échanger les items avec des gens qui viennent dans votre shelter et quand votre famille membre et contre votre famille, les membres de votre famille sont en sortie. Parfait. Alors, il faudrait voir à peu près ce qu'il voudrait. Utiliser pour la fabrication. Lui, il a quoi? Des ressorts, des câbles, de la corde. J'ai-tu de la corde, moi? J'ai pas de la corde. C'est quoi ça? Un briquet. Je suis un briquet. J'ai pas de briquet. Peut-être ça pourrait m'intéresser. Ça, j'en ai. De la corde, j'en ai pas. Je peux tout échanger ça contre un mélange de minéraux et de rien. Non, utilisé pour la fabrication. Ça te va-tu, ça? T'es-tu content? Non, il est pas content. Si je t'enlève. J'ai peut-être un peu trop de. Ok, j'ai genre un peu trop de briquet, on va en enlever. Je vais prendre un petit peu de corde. Je vais te donner un seau. Tu comptes? Puis, moteur. Ah, oh, mais j'en ai de la. Ah non, j'ai pas de la corde, c'est pas la même. Un nylon. Tiens, un truc que j'ai en grande quantité. Tiens, des bacs. Une substance créée par l'homme qui abonde la plupart des maisons utilisées pour la fabrication. Tiens, je vais te donner ça, ok? Parce que j'en ai plein. Pas trop, là. Pas trop, pas trop, pas trop. C'est sûr, si je donne ça, le mec il va être super content, c'est ça. M'en douter. Tiens, ça c'est quoi? Du caoutchouc. Et prends un autre bac, ok? Échanger. Ouais. T'es content? Tu décores, allez, ça c'est. Bye. Bye. C'est ça, bye. Irradiation. Notre sommeil. Voir. Il est dur de vivre comme nous le faisons, mais cette personne qui est venue nous voir aujourd'hui dit que le meilleur moyen de se détendre consiste à lire. Mais les enfants trouveraient sans doute cela ennuyeux. Les jouets leur conviennent sans doute davantage. Ouais, mais un journal, je peux pas le fermer avec le X, ça m'énerve. Sont toutes fermées, il n'y a plus d'eau. Je dois fabriquer un objet qui va m'aider à survivre. Un piège, un boîte à jouer. C'est super, mais une petite citerne d'eau.
Moi, il me faudrait que... Ah, tabarnouche, une tombe. Je peux-tu faire quelque chose qui... Incinérateur. Une douche de fortune. Toilette de fortune. Un sac de machin. Moi, il faut que je trouve le moyen de récupérer de l'eau. Je sais pas comment, là. Apparemment, c'est juste une cuisinière. Un piège à coller moyen. Une toilette. C'est-tu le spécial? Y a rien dans le spécial. Un jukebox. Une planteuse. Un panneau solaire. Un sac à dos. Ça, c'est pour pouvoir aller plus loin. Bon, c'est super. Jour 2. Ils sont fatigués. Puis là, il y a le dude. Filtre à eau. Je peux-tu... Ah, je peux le réparer. Attends, attends, attends. Fais, va manger. Tiens, va manger. Manger. Non, laisse faire, là. Déplace-toi. Non, toi. Laisse... Calisse. Je t'ai dit... Je t'ai dit de manger. Ouvrir le stockage. J'ai bien compris. Il faut juste que tu manges, fille. Allez se faire. Viens ici. Tabarnouche, je t'ai dit de venir ici. Arrête. Arrête. Je peux-tu... Ah. Parfait, viens ici. Non. Colin, t'es où? Reviens ici. Zoom out. File, hein? Oh! Ok, tu rentres, puis tu vas manger, ok? Tu manges. Parfait. Toi, là, papa, tu vas construire un lit. Je peux te faire un lit? Sac de couchage. Good. Pas encore. Ah, sérieux, là? Je suis épuisé. Je sais que tu es épuisé. Ok, un lit ici. Parfait. Travail. Toi, t'as soif. Fille, là, tu vas aller réparer parce que je t'en ai. Va réparer. C'est pas grave, va réparer. Toi, il n'y a plus d'eau. Comment plus d'eau? T'es fourré. Je peux pas sortir. Ok, mais toi, je t'ai dit, fille. Non, toi. Toi. La mère, c'est elle ça? Ok, mange un peu là. Ok, tu manges là? Super. Toi là, va réparer. Go. Non, j'ai dit toi. Toi. Tu restes là. Stop, stop, toi. Tu stop. Tu viens ici. Tu ouvres la porte, tu fermes la porte. Et si tu t'endors, super. Toi là, les enfants, tu dors. Ah ouais, dors un peu, ça va te faire du bien. Toi, t'as faim. Quand t'as faim, tu fais quoi? Tu manges. Toi, t'as sommeil. Ben, c'est super. Ben, tu vas d'abord faire un lit. Un autre lit. Je peux-tu? Ah, j'ai de la laine. J'ai pas assez de nylon. J'en ai donné. Ah, tabarslack. C'est pas grave. Fais dodo, fille. Toi, tu manges. As-tu de l'eau qui va rentrer, là? Oh my god, ça va être long. Ok, t'as faim, t'as soif. Mon dieu, ça va très très mal. La stratégie est pas très bonne. Ils vont toutes mourir. Mais... Toi, là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux-tu l'améliorer? Ah, vous pouvez rendre votre objet plus efficace en améliorant le filtre à oxygène, le générateur et le filtre à eau. Ok, je peux-tu améliorer quelque chose? Ah, durabilité. Je peux pas, il faut que j'augmente les autres. Je peux augmenter ça. Ouais, va démarrer seul. Toi, fille. Je peux boire de l'eau? J'ai de l'eau, moi. Non, il n'y a pas d'eau. Ok, le petit gars, il travaille. Très bien. T'étais-tu genre... Irradiation? Ok, prends des anti-radiations, ça va te faire du bien. Le chien, là, je peux-tu l'envoyer? Il sert-tu à quelque chose, prout-prout? Il sert à fuck all, prout-prout. Ok. La santé revient. Parfait.
Man, papa, hein? Ah, l'eau rentre, il y a de la pluie. Faudrait que je l'améliore, cette affaire-là. Ok, papa, quand t'as fini, on va essayer de travailler pour voir si je peux pas améliorer cette cochonnerie. Ils ont tous soif. Ok, maman, bois de l'eau. Papa, t'as fini? Parfait. Améliorer. Va pas trop loin, toi. Décontamination. Augmente la vitesse de fonctionnement du filtre à eau. Augmente la durabilité du filtre en réduisant la vitesse. Ah ouais, travail. Parfait. Toi, t'as soif. Toi, tu travailles, c'est bien. Toi, t'as sommeil. J'en ai rien à foutre. Améliorer. Je peux-tu upgrader ça? Amélioration de niveau 2. C'est peut-être pas une bonne idée d'améliorer ça de niveau 2. Ok, laisse faire. P. Es-tu hot? Acheter du carburant. Vas-y, ajoute du carburant, fille. Toi, petite gueule, là, bois de l'eau. Parfait. Toi, t'as sommeil. Toi, t'as assez dormi, fille. J'ai bien l'impression que t'as assez dormi. Okay. Donc tu vas boire de l'eau. Plus 60 de troubles. Papa est mort. Tabarnak. Comment ça, il est mort? Cadavre. On dirait qu'on a une pièce qu'il faut pour faire une amélioration. Papa est mort, mais tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de scandale. Ben, je crois qu'il y a plus 60 de troubles parce que papa doit être mort. Donc, il doit être. Il doit être en dépression. Donc là, il y a un cadavre. Puis là, maman, là, on va construire. Tiens, on va juste jour 3, on va fabriquer un objet. On va construire une tombe. Puis on va la mettre là. On va travailler, fille. Tiens. C'est bon. Il n'y en a pas de problème. C'est ça. Toi, là, t'as sommeil, je le sais. Puis lui, il a soif. Il est mort. Vas-y, creuse. Tu sais, t'as fini de dormir là? Lève-toi, fille. Ah, tu bois seulement maintenant. Tabarnak. Ah, va dormir, toi. Ça y est, là, t'es full, full. Amélioration, je peux même pas améliorer quoi que ce soit. Prends des anti-1. Je peux-tu améliorer ça? Je peux pas l'améliorer. Je peux améliorer encore cette affaire-là? Ah, oui, c'est vrai, je peux l'améliorer. Capacité. Non, je peux rien améliorer, j'ai pas assez. Je peux pas améliorer. Ellie, là, tu peux le voir. Cadavre. Ok, non, non, stop, reste ici. Stop, reste ici. Ici, ok. Toi, la maman, je sais. Parfait. Maintenant, t'as sommeil, je le sais. Sauf que j'aimerais bien te faire un lit. Mais je peux pas te faire de lit, j'ai pas. Ah, j'ai pas assez ce qu'il faut. Il va falloir que tu partes en expédition. Ou fille, ouais, t'es épuisée, je le sais. Tu te sens-tu bonne pour partir en expédition, fille? Ah oui, Amanda. Sa santé est pas très bonne, elle. Ah oui, Amanda. Je te fais-tu partir avec ton frère? Ce serait bien drôle. Elle va faire partir toute seule. Toute seule. Parce que t'es la meilleure. Ok? Au nécessaire. Là, il y avait une maison, mais visiter. Là, il y a une petite maison. Il y a une école. Une petite école et une église. Ok, tu vas aller à l'école. Confirme. Je t'envoie. T'as rien besoin. Va à l'école, tout seul. Pas de stock ni rien. Ok. On ouvre et on referme. Bye fille, t'es la meilleure. Tu vas t'en sortir. Radiation. J'aurais pu te mettre un casque pour les radiations, mais tant pis. Ok. Lui peut pas dormir plus vite. Oh, une transmission radio. Maman va être contente. Accepté. J'ai trouvé une école. Chercher une adresse, c'est ça. Qu'est-ce que je peux améliorer? Je peux-tu améliorer quelque chose? Ouvrir le compteur GGR. Pas grand-chose d'électricité. Hein? Ah, il y avait une tenue. Oui, fille. Amanda là-bas, j'ai trouvé quelque chose dans cette école. Examiner les éléments. Oh, tabarnouche. Ah ouais, prends tout. Hein? Vous ne pouvez pas transférer cet objet car l'espace est insuffisant. What? Et c'est quoi? Des lentilles.
Ah, j'ai juste 6. Ah, tabarnouche, la fille est toute petite. C'est quoi ça, un livre? Bon, qu'est-ce qu'il me faut? Une valve, une cloueuse, du bois, une ponceuse. C'est du nylon. Parfait. De la laine, du magnésium, des nanomètres, puis je vais prendre. Utilisé par la fabrication. Tout est utilisé par la fabrication. Ouais, lire, c'est pour le stress des adultes. Du ciment. Fabrication du calcaire, du sable. Il y a tellement de choses. Ça n'a pas d'allure. Ok, ben, prends une ponceuse. Puis amène ton cul. On viendra pour faire autre chose. T'es déjà là? Tabarnouche, j'étais tombé rapide. Oh non, c'est. Oh là là, c'est qui lui? Quelqu'un à l'interphone. Fuck. Ok, c'est gelé. T'as-tu besoin de quelque chose? J'ai trouvé quelques trucs dont je n'ai aucune idée. Ok. Oh, mais là. Ok, mais là, tu veux m'échanger seul. Du sable, un moteur, du métal, une ampoule. J'ai même pas regardé ce dont j'ai besoin. Je suis comme. C'est la première exploration dans le projet. C'est la première fois que je joue, là. C'est comme je fais n'importe quoi. Ils vont tous finir par crever anyway. De toute façon, je pense qu'on a compris le concept. Il va falloir juste que je trouve le moyen de m'améliorer pour survivre plus longtemps et puis essayer d'améliorer les choses. Je pense que je vais annuler. Je vais dire casse-toi. Je peux pas annuler. Ouais, j'annule. Casse-toi. Là, fille, là, t'as besoin de te laver. C'est bon, tu rentres pas chez moi. T'es fatigué, je suis pour au bout. Ça dégage. Parfait. Ok. Groupe d'expédition. Parfait. Confirmé. Mais oui, je confirme. T'as gagné de l'expérience. Le cadavre commence à avoir des mouches. Ah, faut que je l'enterre. Tiens, le. Ah, fuck. Fille, là, tu vas apprendre. Vu que ton frère, il dort. Ok. Ok, Kathleen. Bouge pas. Tu vas prendre un peu de médication. Puis tu vas enterrer ton père. Parce qu'il faut que tu apprennes la vie dure. Vas-y, prends des médicaments. Toi, t'as sommeil et t'as envie d'une douche. C'est super. Est-ce que je peux faire une douche? Je peux faire une douche de fortune. Ok. On va la mettre ici. Non, 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 non. Stop. Maman, j'ai dit. Non. Stop, stop, maman, stop. Ah, tabarnak. Fabriquer un objet, une douche. Mets la douche ici, maman, ok? Toi, Kathleen. Amanda. C'est-tu Amanda? Ok, Amanda. Tu vas aller enterrer ton père, ok? Hé, hey, reviens ici, Amanda. Stop. Hey, le fils est debout. Non. Non, non, non. Stop, 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 stop. Arrêtez-vous, là. Ok, tu vas prendre une douche, fille. Puis toi, tu vas aller enterrer ton mari, d'accord? Parfait. Je suis épuisé. Je n'ai rien à foutre. Tu vas enterrer ton mari, ok? C'est ça. C'est ça. Va enterrer ton mari. Toi, fille, là. Le chien a faim. Toi, tu fille, tu vas prendre une douche, ok? Parfait. Toi, là, tu vas nourrir ton stupide chien. Remplir. Parfait, il va être content. Toi, t'as besoin d'une douche, je le sais, c'est super. On dirait que les pièces qu'il faut pour une, qu'on a les pièces qu'il faut pour une amélioration. Amélioration de quoi? Je peux améliorer, démonter, désactiver. Qu'est-ce que je peux améliorer? Améliorer. Je peux améliorer. Ah, je peux améliorer ça. Ah ouais, on fabrique ça. Ah, non, non, tu veux une toilette. Parfait, on va fabriquer une toilette. Stop. J'aime ça, moi. Fabrique une toilette. Une toilette. C'est quoi ça? Une échelle. Rien à foutre. Creuser. Toilette de fortune. Ça, c'est bon, ça. Parce qu'il y a une toilette de niveau 2.
Je peux même la faire la toilette de niveau 2, mais je vais y aller avec la toilette de fortune parce que moi, je suis pauvre, ok? Je peux-tu la mettre là? Je peux pas. On va la mettre juste à côté de la douche. Donc les gens, ils feront caca. Et après, bon, on se lave tout de suite. Tu vois? Ça, c'est la beauté de la chose. Fille, t'es propre? Super. Tu vas aller améliorer la pompe. Tu vas améliorer la vitesse de fonctionnement du filtre à eau. Parfait. Tiens, va améliorer ça. Je te sens bonne là-dedans. Good. Toi, t'es épuisé. Les enfants, ils sont prêts. Toi, tu vas aller faire dodo. Ok? Ok. Toi, tu vas faire popo. Fais popo. Et là, il y a le journal. Je n'ai pas les mots. Perdre papa nous a tous touchés. Nous avons creusé une tombe pour lui à la surface. Ce n'est pas idéal, mais nous espérons qu'il puisse reposer en paix. Cela fait tellement mal. Mais oui, ça s'appelle la vie, tu sais. C'est donc bien long de faire popo, man. C'est aussi long que faire dodo, pratiquement. Ou de prendre une douche. Moi, c'est super long. Même moi, ça me prend moins de temps pour faire popo. C'est ridicule. Pourquoi le chien est toujours en bas? Il m'énerve. À lui, il perd de la vie. C'est super. T'as fini de faire popo là? Ok, t'as-tu fini là? Tu te sens bien, super. Si tu te sens bien, tu vas partir en expédition. Parce que la vie est assez. C'est Kathleen, à cheveux courts, m'énerve, c'est pour ça que tu pars tout seul. Ok? Puis là, l'école, visiter. Tu vas visiter l'église. Tu vas visiter la petite maison. Ok? Ok, confirme. Puis. Je vais te mettre un masque pour éviter que t'aies. Ok, raté. Je vais te mettre un masque. Ah! Équipé. Équipé. Voilà. Puis, c'est tout. Je pense pas qu'il y ait besoin de se battre. Oui, je sais. Tiens, ouvre. Et ferme. Allez, va-t'en. T'es le meilleur. Toi, fille, tu travailles fort. C'est bien. Maman, elle se repose. C'est essentiel. Ah, t'as besoin d'une douche, fille. Bon. L'enfant est parti. Une transmission radio. Ouais, tu vas acheter un coup d'œil. Le gros problème avec un enfant qui s'en va en expédition, c'est qu'il n'y a pas grand place. Peut-être que tu peux acheter un grand sac à dos. Toi, t'as sommeil, je sais, mais maman, elle fait dodo. Ok? Peut-être on peut faire un autre lit. Ouais, si tu veux. Catine là-bas, j'ai rencontré quelqu'un dans cette petite maison. Veux-tu, j'essaie de. Approche d'étranger. Oh là là. On se téléporte. Oh là là. Oh. Qu'est-ce que tu fais avec un couteau? Fuir, recruter, échanger. Tu es tout seul dehors. Ok, c'était pas une bonne idée. Kathleen va crever, man. Je vais l'intimider parce que je sens que Kathleen est balèze là-dedans, ok? Go, intimide-le. J'ai besoin de toutes tes affaires et de te voir mourir. Rien de personnel. C'est une enfant, man. C'est une enfant. J'ai besoin de toutes tes affaires et de te voir mort. Rien de personnel. Ok? Alors, Stéphane, tu restes tranquille ou je te massacre la gueule. Il va pas être content, je pense, avec son couteau. Il va sûrement me péter la gueule. Pam! Pam! Et je bloque. J'ai quand même bloqué deux coups. Là, je peux me montrer la santé. J'ai pas besoin, je la vois ici. Pas besoin de me montrer deux fois la santé, c'est stupide. Ok, je vais attaquer à coup de poing. Subdue. Kill. Kill. Melee. Ah, putain, il l'a bloqué. Tu vois, ça c'était sûr. Je me vais quand. Me faire massacrer, man. Trois coups. Trois coups dans ma face. Ok, je vais l'attaquer encore. Oh, man. Même pas perdu de point de vie. Et là, je me fais massacrer à la face. Et j'en ai bloqué. Si je suis capable de bloquer un coup de couteau. Ok. Moi, je lui ai montré que j'étais un bad boy. Je lui ai montré que je pouvais lui fracasser la tête et que je veux le voir mort. Donc, c'est impossible que je me rende. Je peux pas me rendre à cette étape-là. Donc, je vais le tuer. Oh, il a contré en plus. Et là, il continue à me massacrer. Oh, j'ai bloqué. C'est n'importe quoi. Vas-y, as-tu kill. Kill, man. Oh, man, mais encore contre. Je sens que l'enfant, il va crever. On va tout perdre. Oh, la. Oh! Ça sent la fin. Vas-y, attaque. Tiens, prends celui-là.
Bon, j'ai même pas réussi à lui enlever un point de vie. Oh, bloqué. Ah, vas-y, kill, 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 kill. Oh, what? Qu'est-ce que tu fais? Pam! Et pam! C'est vraiment... une défaite. Ben oui, c'est pas une défaite, c'est une mort. Combat effectué. Troupe, ben oui, qu'est-ce que je te dise? Kathleen est décédée. Hey man, c'est terrible. Tu peux tuer les enfants. C'est vraiment terrible. Là, eux, ils sont... Je peux... Elle était où, elle? Ah ouais, ok. Ah ouais, rentre. Rentre. Je dis rentre. Oui, je t'ai épuisé, je sais. Rentre. Ah, faut laver le seau de caca. Va laver le seau de caca, ok? Je m'en fous que tu sois épuisé. Pour de poudre, tu sers à rien. Tombe. 79, puis... J'ai pas beaucoup d'eau. Ok. Hey, c'est vraiment chiant. Je pensais vraiment pas qu'il allait avoir ça dans un jeu. C'est limite la censure. Faudrait limite... censurer le tout. Ok, tu veux-tu un autre lit? Je peux faire un autre lit pour que tu puisses survivre un petit peu. Ou, je sais pas moi, je peux faire un seau, une serpillière pour que tu fasses le ménage, ok? Pièce à coller. Du gibier. Ok, va installer ça. Tout à l'heure, j'ai vu... Va installer ça ici. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un animal qui se promenait. Ouais, je sais que tu veux rentrer. Patati patata, c'est super. Travaille. Travaille dehors, en plus, pendant la nuit. Jour 4. Ils sont encore vivants. T'as soif. Fuck, man. Ok, on peut-tu... Acheter du carburant, hein, qu'elle fonctionne. Ok, as-tu un problème? Ah, oh. Parfait, oh. Ok, là j'ai comme un animal démonté, parfait. Je peux mettre un petit animal si j'ai besoin. Toi tu vas... On va boire de l'eau. Ok, je sais que t'as soif, là. Vas-y Amanda, bois de l'eau. Elle a besoin d'une douche. Elle rêve qu'elle a besoin d'une douche. Et qui a soif. Ok? Puis là, ça va pas bien. Je peux-tu améliorer encore? Je peux pas l'améliorer. Non. Je peux le réparer. Ok. Répare. C'est ça. Parce que ça craint. Je peux l'améliorer. J'ai déjà amélioré au niveau 2. Et je peux jusqu'à 100% du fonctionnement. Tabarnouche. Pluie en surface, ça va remplir le... Ça va remplir l'eau, ça. Ouais, c'est ça remplit l'eau. La saleté est 0%. T'as faim, t'as sommeil, t'as soif. Maman avait une douche. Et boire de l'eau. Pour avoir de l'eau. On a quand même perdu un enfant et le papa. Il reste maman et sa petite fille, Kathleen. Et Kathleen se sent bien, ce qui est extraordinaire. Puis la maman se sent bien aussi. Ouais, super. Tu prends une douche, fille? Ok, Diane, va prendre une douche. Stockage de l'eau. Bah, va boire un coup parce que là... Ah, je sais. Bois de l'eau. Je peux-tu l'améliorer? Je peux pas l'améliorer. Mais je peux augmenter ça. Mais si je l'améliore, c'est pas la capacité, c'est ça? Ok, c'est ça. De toute façon, je peux rien faire avec ça. Ok. Fille, là, va prendre une douche. Démonter, désactiver, réparer, prendre une douche. Ok. Toi, là, va manger. Tu manges la nourriture. Là, l'eau est au maximum. Ok, on en a bu un petit peu. Parfait. Toi, tu prends une douche. Ok, tu vas repartir en expédition. Améliorer. On peut améliorer le filtre à air. Parfait. Résistance, durabilité, décontamination. Okay, va faire ça. Ça va t'apprendre. Tu vas être meilleur. Voilà.
La peur nous envahit. L'une de nos équipes d'exploration n'est pas revenue. La dernière fois que nous avons été en contact, il disait avoir rencontré un inconnu dans les terres dévastées. Les gens sont désespérés et demeurent volatiles à cet endroit. On peut toujours pas fermer le journal. Faut que je t'ouvre la porte, excuse-moi. Laisse-moi ouvrir une porte à la fois, sinon il y a de la radiation qui va rentrer. Toi, la radiation, tu peux y aller, j'en ai rien à foutre. Ok. Ça travaille fort. Maman prend une douche. Il n'y a pas de nudité. On peut pas voir maman qui prend une douche. Ni les enfants, ce qui est parfait. Mais, peut tuer des enfants. De façon sauvage. Je sais pas pourquoi je parle comme ça avec un accent bizarre. Mais en tout cas, aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être ça. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal pour une première découverte. On va s'arrêter là. La vidéo fait déjà 45 minutes. Ce qui est déjà beaucoup. Donc voilà les premières impressions intéressantes. Ça a l'air beaucoup plus complexe que This War of Mine. Dans This War of Mine, il y a beaucoup de choses quand même à faire pour pouvoir, beaucoup de choses à apprendre pour améliorer ses conditions de vie et améliorer et pouvoir retenir le plus longtemps possible. Mais là-dedans, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus. Puis c'est pas évident. Il y a énormément de choses qu'on peut construire, énormément de choses qu'on peut améliorer, mais il y a énormément de matériaux différents pour pouvoir le faire. Puis gérer la famille au complet. Pas évident. Puis le savoir qu'il y avait des combats et que j'ai perdu un enfant, parce que je suis pas, mais j'aurais pu fuir. Mais je me sentais trop balèze quand j'ai dit je veux te voir mort, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est à peu près tout. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo si ça vous intéresse, de me faire un petit like, un thumbs up, un pouce vert si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner si vous voulez en voir plus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure ou une nouvelle découverte ou peut-être un nouveau let's play. Je vais essayer d'approfondir la chose. Donc je vous dis à la prochaine. Bisous, bye.